Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn pour une autre vidéo hors du commun. Aujourd'hui, dans cette partie 3 de notre vidéo, nous cherchons à savoir quels sont les signes du diable. Wow! Et c'est la partie 3. Mais c'est curieux, n'est-ce pas? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. C'est sans doute votre curiosité qui vous a mené jusqu'à là. Et vous avez posé la question de ça, mais quel est l'intérêt de découvrir même quels sont les signes du diable? Mes frères et sœurs, de la manière dont on reconnaîtra l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ par des signes, c'est de la même façon que le diable veut qu'on le reconnaisse aussi juste au travers des signes. Et si vous ne savez pas ce que sur la terre, il y a des sorciers, il y a des satanistes, il y a des mystiques, comment les reconnaître, c'est au travers des signes. La plupart du temps, les sorciers et les satanistes ne se confessent pas, ils ne disent jamais qu'ils sont des sorciers ou ce sont des mauvaises personnes. Mais si vous remarquez par leur comportement des signes bizarres, que cela vous alarme et ça vous amène à réfléchir et à savoir à qui vous avez affaire. Un jour, j'ai eu un artiste célèbre qui représentait plein de signes par-ci et par-là de ses clips. Tous ses fans voulaient savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu représentes tous ces signes? Et vous savez, est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Elle a dit à ses fans, mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions bizarres? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions bizarres? Mais si vous voyez tous ces signes-là sur moi, c'est tout simplement parce que je suis une adoratrice du diable. Oh! Donc, c'était des signes que nous étions censés connaître, que nous étions censés savoir, on était censés savoir les significations. Mais puisque nous étions dans l'ignorance, on l'adorait. Or, le diable s'incarne dans les hommes. Quand le diable fait les pattes avec les gens-là, il a l'habitude de s'incarner en ces gens-là. Et quand vous aimez les gens, ces gens-là, ou encore vos stars qui ont signé des pages, ce qui se passe, c'est que vous adorez le diable, vous aimez le diable directement. Et ces signes-là vont vous aider à découvrir qui est qui est vraiment qui autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas qui, avec qui on marche, on risque même de marcher même avec un serpent qui est prêt à nous mordre sans qu'on se rende compte. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Cherchez à savoir, posez-vous des vraies questions. Nous allons au bureau. Préparez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et abonnez-vous sur notre troisième chaîne juste en cliquant sur Nyans Reborn. Sur cette vidéo, vous avez accès à notre page d'accueil. Abonnez-vous carrément sur nos trois autres chaînes et soyez prêts parce que ce que nous allons découvrir ici, ça va même ça va vous choquer. Mes frères et sœurs, soyez prêts, soyez forts en même temps. À ce niveau d'accomplissement, parce que nous sommes informés. Vous êtes déjà pour venir. Regardez le camp. Qu'est-ce qu'on voit, mes frères et sœurs? À l'écran, on voit trois personnes, dont un homme et deux femmes, deux filles, ou bien deux femmes. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces deux filles qui sont derrière là, ou ces deux femmes là, elles sont jolies. Elles sont même plus jolies que jolies. Mais à même temps qu'elles sont belles, il y a un signe qui apparaît à chaque fois. Je dirais même deux signes. Regardez bien. On voit que celle qui est ici, celle-ci, elle a des ailes d'ange. Elle a des ailes d'ange. Ok? Elle a des ailes d'ange. Et ces ailes-là même couvrent Nyanx Reborn et couvrent en même temps cette femme. Donc, dans ces deux extrémités, on peut clairement voir la présence de ses ailes. En même temps, on voit que elle entend son ami. C'est comme si elle cause avec une personne qui est invisible ou une personne qui lui chuchote à l'oreille des trucs. Fais ceci, fais cela. Et nous, on ne sait pas réellement qui est cette personne. Mais on peut voir que cette personne est jolie. Mais il y a un élément qui va nous permettre de savoir quel est l'état d'âme de cette personne. Vous devez savoir l'état d'âme des gens qui vous entourent. Est-ce que ces gens qui vous entourent, il n'y a pas de sorciers par hasard? Il n'y a pas de satanistes par hasard? Si vous êtes un chrétien et que vous marchez avec des satanistes, ils vont vous plonger dans le satanisme. Si vous ne faites pas attention, soit c'est vous qui les faites.
c'est vous qui les rendez chrétiens ou rendez purs en acceptant Jésus-Christ dans la vie. Ou c'est ce que vous rendez impur en vous faisant accepter le diable. Mais regardez ça. Elle, son amie, lui chuchote des trucs aux oreilles. Tout le temps, c'est ce qu'elle fait. Mais en même temps, elle peut se rendre compte que elle a tout simplement, son amie qui est ici, elle a tout simplement deux cornes. Je dirais même des cornes. Mais comment c'est possible? C'est en ce moment où elle pose la question avec. C'est qui c'est la même? C'est qui? Quelle est cette amie-là? C'est Cindy qui est juste là pour nous montrer qu'il y a un problème. Elle est un ange. Cette femme qui est ici, elle aussi, elle est un démon. C'était démon, ou bien c'est le diable. Quand est-ce que les anges et les démons se joignent-ils? Quand vous voyez tout pareil, sachez que c'est le diable qui est en train d'être adoré. Ou encore, on veut mettre en valeur le côté diabolique de la chose. Regardez. Dès que vous voyez des gens représenter des cornes comme ça, sachez que ce sont des adorateurs du diable. Ou, s'ils ne le savent pas, c'est que ces gens sont tout simplement en train d'adorer le diable inconsciemment. C'est ici, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Il y a des gens qui achètent de ces déguisements où il y a des cornes ici. Ils se disent que c'est Halloween, on peut faire ce qu'on veut. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Dieu t'autorise à faire. Ce n'est pas un truc pour te dire que Dieu ne veut pas que tu sois libre. Non! Dieu veut que tu sois en bonne santé spirituelle. C'est ça son souci. Sinon, tu vas te perdre et tu vas aller en enfer plus tard. Mais regardez encore. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un va dire, mais il y a un souverain, de quoi tu parles? Ça, j'ai l'habitude de voir lors des concerts. Ou là, des matchs de football, des footballeurs qui font ces signes. Effectivement, vous avez raison. Parce que, regardez. Wouh! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais pourquoi y a-t-il quelque chose de dessiné dans les paumes de ce gars-là? Et que signifie ce dessin-là? Ou encore cette marque? Et cette marque se trouve où? Cette marque se trouve dans la main. Ah! Carrément! Est-ce la main de Dieu? Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est là donc la main de qui? Regardez ça. Ça va vous étonner. C'est qui le 666? Qui est donc le 666? C'est là que vous allez lire la Bible. Mais regardez. Le 666, c'est tout simplement le diable. Et ici, les gens le représentent la plupart du temps en ce démon qui est ici, qu'on appelle Baphomet. C'est un démon qui est adoré par des gens qui aiment, qui veulent avoir du succès dans l'industrie de la musique, ou dans le cinéma, ou dans le divertissement. En tout cas, quiconque veut l'adorer, peut l'adorer. C'est genre une représentation du diable dans ce monde. Et ce gars-là, il est très bien connu par tout le monde. Regardez-le bien. Peut-être me direz que vous n'avez jamais vu. Si c'est votre première fois, bienvenue. Ici, nous apprenons des choses et nous sommes ma famille. Abonnez-vous et ne manquez pas les prochaines vidéos parce que vous en saurez plus sur les choses trop bizarres, des trucs même obscurs. Nous sommes là pour ça. Mais regardez-le quand. Que font ces doigts-là encore ici? Que font-ils ici? On nous dit que le premier s'appelle Peace, le deuxième s'appelle Love, après le troisième s'appelle Rock. Ah! Mais quel est le lien entre ces signes-là et le chiffre 666? Est-ce de la blague ou quoi? Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Il y a bien et bien un lien entre les trois, entre tous ces signes qui se trouvent là à l'écran. Ce qui est sûr, c'est que les humains représentent tous ces signes sans le savoir, sans s'en rendre compte. Bon nombre d'entre eux savent ce que signifient ces signes, et d'autres ne le savent même pas du tout. Mes frères et sœurs,
Le diable se fait adorer. Et il aime beaucoup utiliser des signes ces temps-ci. Il aime vraiment utiliser des signes. Même dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les gens qui ne vont pas recevoir la marque de la bête 666, ils ne pourront acheter ni boire, acheter ni vendre. Est-ce que ce n'est pas ce qui a déjà commencé ici? Est-ce que ce n'est pas déjà ça? Ou bien est-ce que tous ces éléments n'annoncent-ils pas tout ce qui a été annoncé, prédit dans la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, regardez ça. Ça, c'est censé représenter les cornes de Baphomet. Et Baphomet, c'est le démon que nous venons de vous montrer précédemment. Donc, toutes ces personnes qui sont là sont juste en train d'adorer le diable, quoi. Et ça a l'air d'être dans un concert ou bien un lieu de divertissement. La plupart du temps, ça se passe ainsi. Le diable utilise le divertissement. Là, vous êtes en train de vous divertir, là. Lui profite de cette belle opportunité pour mettre en vous des doctrines bizarres qui vont vous pousser à adorer le diable sans vous en rendre compte. Si vous êtes des gens de choses, mes frères et sœurs, c'est le moment d'en sortir. Sortez de là. Peut-être même que vous avez même des symboles comme ça, mais sur vos vêtements, il y a des habits où ils ont dessiné de tels symboles sur le vêtement. Faites très attention. Tous les symboles que nous venons de vous montrer précédemment, ici là, regardez bien, ici. Faites vraiment très attention. 666, là, mais c'est le plus visible. Et regardez ça. Comment se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voici des gens qui sont célèbres, qui sont très connus, mais qui représentent quand même ce signe-là. Est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est pour blaguer? Ce sont des leaders religieux. Ils sont censés être bien informés de ce genre de choses. Ou bien vous n'êtes pas informé. Bon, si vous n'êtes pas informé, bienvenue. Aujourd'hui, vous avez la réponse. Quand quelqu'un décide de répéter un signe, les choses sont claires dans notre esprit. Ça nous montre que le diable est là. Le diable est là. Il y a un pasteur récemment, il y a un pasteur, on a appris qu'il a ressuscité les morts, tout ça. Maintenant, bizarrement, le mort, là, il est revenu à la vie. Bizarrement, quand vous regardez la plupart de ces vidéos-là, regardez vous-même et répondez à ma question. Ne trouvez-vous pas ces gens de signes là-bas, dans la plupart du temps, dans ces présentations? Si vous le représentez inconsciemment, on va dire que vous vous êtes trompé. Mais quand vous prenez plaisir à le faire, là, on va dire que c'est une adoration. Vous adorez le diable. Maintenant, si toi, tu as vu ça sur ta star et ça t'a plu, tu veux juste représenter ça parce que tu aimes ta star, tu vas adorer aussi le diable inconsciemment. Regardez. Ça peut vous paraître simple, hein? Mais c'est ça. Ils utilisent même certains signes même pour se saluer. Regardez. Ils utilisent tes signes même pour se saluer. Quand ils veulent se saluer, c'est comme ça qu'ils font. Ils ferment un œil. Là, vous commencez à comprendre un peu. Ou même vous ne comprenez pas toujours. Bon, je peux vous comprendre. C'est nouveau pour vous, peut-être. Mais regardez vous-même. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi retrouve-t-on ces signes, autant de signes comme ça dans l'industrie de la musique ou encore chez les personnes célèbres? Il y a une chose qui se passe. Le diable domine le monde. Il veut s'imposer carrément. Et donc, il décide de contrôler les gens mentalement. Ceux qui lui font leurs âmes. Et il fait de ces personnes-là des gens qui vont maintenant publier le message. C'est comme s'il disait, passez le message. Passez le message. Passez le message. Dès que le Seigneur Jésus-Christ vient pour ses enfants, les vrais chrétiens, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ceux qui vont rester. Et ils seront tous marqués. Donc, préparez-les à la chose, mes frères et sœurs. C'est ça, hein? Est-ce que vous en rendez compte? Non, 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 vous ne comprenez pas bien. Allons-y plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois doigts. Regardez comment les doigts là sont positionnés. Regardez bien.
On voit que le premier ici forme un 6 qui est en noir. Le second, avec le doigt, forme un autre 6. Et bizarrement, le troisième aussi forme un autre 6. Un autre 6. Et nous savons que ça, le tout réuni forme 666. Qui l'a dévoilé même? Mes frères et sœurs, tout ce qui est caché sera révélé jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ça, vous soyez prêts. Nous, notre travail, c'est de vous juste vous informer pour vous dire voici ce que ça signifie. Vous soyez, devez être les premières personnes à être informées et à être délivrées de ces choses, ne pas les représenter. Si toi, tu sais ce que ça signifie, puis tu prends plaisir à les représenter. Il y a des gens même qui le font même. Juste, ils les représentent parce qu'ils appartiennent à un groupe. C'est comme ça. C'est quoi un signe? C'est une chose qu'on utilise la plupart du temps pour se démarquer des autres, non? C'est pas ça? Mais bien sûr que oui. Toi, tu veux montrer ton appartenance à qui réellement? Tu appartiens à qui? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Ou tu appartiens au dévol? Qu'est-ce que tu choisis? Ce qui est sûr, c'est que la Marque 666 est en train d'être positionnée déjà sur les champs. Et ça a commencé ainsi. Si toi déjà, à ce niveau de la compétition, toi, tu l'as déjà accepté, tu es dans la merde, on va dire, tu es foutu. Wow. Regardez-moi ces filles-là. Eh bien, elles sont jolies, hein. C'est pas tout ce qui brille qui est vraiment de l'ordre. Quand ma maman me disait, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'ordre, mon fils, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends bien. Mais regardez. Waouh. Que Dieu nous aide. Regardez encore ici. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pratiquement la même chose. Le diable ne va jamais utiliser de vilaines personnes pour faire ça. Hein? Pour présenter ses signes, pour faire sa publicité. Il va utiliser des personnes connues pour parler de lui. Juste au travers de l'imagerie. L'imagerie. Juste cette image. Toi, tu as vu ta star préférée. Elle s'est habillée comme ça avec des cônes sur la tête. Dès que toi tu as vu ça, elle t'a rien dit. Toi déjà tu as compris ce qu'elle voulait dire, elle veut te dire. Déjà tu as déjà compris, tu sais déjà de quoi elle veut te parler en même temps. Et tu vas te mettre à représenter ces mêmes signes là-bas, tout dans ta maison. Oui, c'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Ce sont des messages qui entrent en nous, qui se mettent à produire des fruits qui sont à la faveur de ceux qui les ont programmés. Du coup, vous devenez une personne programmée à faire des choses pour la gloire de Satan, le diable. Ça peut vous paraître bizarre, hein? Mais ici, vous allez comprendre un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on voit un gars qui est ici. Sans doute, vous le connaissez, nous tous, on sait qui il est. Et ce gars-là, c'est un personnage très aimé des enfants. Tout simplement parce qu'il a des super pouvoirs. On peut le voir comme même un super héros. Mais, derrière lui se trouve un gars qui attire notre attention. Exactement comme la photo sur les deux filles qui étaient arrêtées là. Où l'une avait une déconne. Qu'est-ce que vous voyez? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit? On peut tout simplement voir à l'écran un serpent géant. On va dire un dragon. Et ce dragon-là est tellement grand et puissant que ce gars-là même a été positionné juste derrière lui, juste devant lui, bon, juste là, avec tout dans toute sa gloire. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde regarde ces dessins animés. On ne se pose pas la question de ça, mais qui que soit la gloire quand on regarde ça? Vraiment, ça c'est une très belle question. Qui est-ce qui reçoit la gloire quand nous on regarde des choses pareilles? C'est qui? C'est qui? Est-ce ce diable ou, je l'ai dit, est-ce pas ma frère ça? Si vous ne savez pas, je vous dis,
qu'un serpent est censé représenter le diable. Et ici, lui, on appelle un dragon. On l'appelle même un dragon. Là, même, c'est clair même. Dans la parole de Dieu, nous parle du dragon. On dit que le dragon, là, ça va faire quoi? On dit qu'on va l'enchaîner, on va le jeter dans le temps de feu. Il sera là-bas de crier, appeler tous ses parents. Mes frères et sœurs, c'est réel. Donc, si toi, tu aimes un dessin animé pareil, faut te mettre dans la tête que tu vas aussi aimer le dragon qui est là, qui est censé représenter le diable, si tu ne sais pas. C'est là que tu vas faire attention à ce que tu regardes à la télévision. Même les films. Ah! Si tu vois un truc à la télévision, ça t'a plu. Demande à Dieu d'abord sa permission avant de copier ça. Si Dieu ne t'autorise pas, évite. Évite. Et évite. Parce que si tu n'évites pas ça, tu seras tout simplement en train d'adorer le diable sans t'en rendre compte. Et c'est ce que le diable a été de faire. Imaginez combien d'enfants ont adoré le diable. Nous, tous, qu'on était enfants, on regardait ça. Mais aujourd'hui, on comprend. Et c'est réel. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, là, vous avez déjà compris. Le diable utilise les femmes, les belles femmes comme ça, juste pour nous montrer qu'il veut se faire adorer. Et ça là, c'est quoi? Ce serpent là, nous savons tous que c'est le serpent qui a permis, c'est-à-dire le diable est passé par le serpent pour avoir Adam et Ève. Il les a eus, bien, aller-retour, mais il fallait que Dieu revienne pour les aider. Mais Dieu qui a secouru les humains au travers de son fils Jésus-Christ là, aujourd'hui, les humains n'ont pas reconnu. Les humains ne l'ont pas reconnu. Ils ont préféré retourner encore dans leur péché en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà ça. Voilà. C'est ça. Et c'est le diable qui est ici, qui t'a dit d'être adoré. Ma soeur, si tu regardes ça, il y a des gens qui sont possédés, qui font ça. Il y a même des filles qui sont peut-être fans des stars, qui font de telles choses et qui veulent faire aussi comme les stars. Ah, elle aime, elle ne sait pas si c'est ta tête, elle ne sait pas si c'est ma tête. Un jour, il y a une star qui a voulu faire un truc pareil aussi. Dans le staff là-bas, il a appris que même il y a un serpent qui les a mordus là-bas. Vous avez vu comment ça tourne? Et ces choses sont vraiment plus réelles que rien. Regardez comment le diable utilise les célébrités pour se présenter aux hommes, aux humains. Regardez, vous pourrez vous dire que ah, c'était un hasard. En général, les femmes ont peur de serpents. Même les garçons, en général, tout le monde a peur de serpents. Quand vous voyez un serpent, même non réflexion, c'est de le tuer. Toi, si ta réflexion n'est pas de tuer le serpent là, c'est que toi, je ne sais pas comment tu fais pour toi. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es vétérinaire? Vous me dites. Mais la première réflexion d'un homme, c'est de quand on voit un serpent, déjà même on pense même au diable, déjà on veut même le tuer. Ah! C'est comme si c'est lui, à cause de lui-même, là, tu as tous tes problèmes de ta vie. Mes frères et sœurs, faites attention. Waouh! Mes frères et sœurs, c'est la réalité que nous vous montrons. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que c'est? On vous a dit que les humains ont décidé d'abandonner le vrai Dieu et s'attacher à des doctrines séducteurs, des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement des bagues magiques, des bagues de protection. Et ces bagues de protection ressemblent à des aigles, à des têtes de morts, à des têtes de romains. On ne comprend même pas où vont avec ces têtes de telles choses. Mais regardez vous-même. Ce qui est sûr, mes frères et sœurs, c'est que ces choses sont réelles. Et vous devez faire très attention. Si toi, tu es un gars qui dit que tu cherches sa protection, tu parles de Dieu dans ta bouche, tu parles de Dieu, mais dans la pratique, tu as la bague de protection, tu crois, tu as plus confiance au démon qu'à Dieu qui est dans les problèmes. Nous avons reçu un témoignage ici. Un gars prenait tout ça, il s'est dit que ça allait le protéger, genre contre les attaques, les balles,
contre les couteaux. Mais ils l'ont tué. Ce jour-là, les démons qui possédaient tous ces objets-là, parce que les démons possèdent ces objets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons qui possèdent ces objets-là, ils l'ont laissé tomber. Et il avait combien de démons, on suppose? Il avait 2, 3, 4 et 5. 5 démons carrément sur ses 5 doigts. Imaginez la suite. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Pourquoi les gens aiment-ils des choses pareilles? Non, mais eux-mêmes ils savent que c'est pas bon. Ils savent que ce n'est pas bon. C'est pas que ça s'appelle tête de mort. Qui veut mourir ici? Si toi, mon frère, on te dit juste, on va te tuer, tu vas mourir. Juste, tu vas mourir juste pour. Même si c'est pour 1 minute, tu vas refuser. Tu vas grave refuser même. Mais regarde ce que tu es prêt à faire. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Le diable travaille et nous ne devons pas laisser le diable travailler dans notre vie comme ça. Tu ouvres des portes à Satan. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde ça. Ah, c'est ce que Dieu lui-même aimerait que ses enfants fassent même. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Ces choses sont même plus réelles que réelles. Si nous avons monté ces choses, c'est juste pour vous réveiller. Pour vous dire que effectivement. Quand vous voyez de telles choses, quand vous voyez des gens qui prennent plaisir à représenter de tels signes, ce sont des signes qui nous montrent que le diable est là. Il y a plein d'autres signes encore qui vont venir, c'est juste la partie 3. Hein. Ne vous inquiétez pas, juste abonnez-vous, activez la cloche et abonnez-vous également sur notre troisième chaîne en cliquant sur notre bonne. Et nous allons nous dire les vraies choses qui vont nous aider à grandir spirituellement, qui vont nous aider à évoluer dans la vie. Mes frères et sœurs, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on se dise les choses qui vont nous aider. Ce genre de vidéos-là, est-ce que vous en voyez souvent? Oui, Dieu merci. Il y a des gens qui se lèvent, qui en parlent. Tout le monde en parle aujourd'hui. Est-ce que vous prêtez attention à ça? Vous vous dites que oh, c'est de la blague, c'est un jeu, c'est parce qu'il ne veut pas vous laisser vous faire plaisir. Dieu te fait plaisir dans un monde où nous sommes en guerre spirituelle. On parle d'une guerre spirituelle. Une vraie guerre spirituelle. Et quand on parle d'une guerre spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas du temps, il n'y a pas de temps à perdre. Les démons veulent amener beaucoup d'âmes dans l'enfer. Les anges aussi veulent faire leur travail. Mais qui va gagner? C'est tout ça le souci. Maintenant, toi, tu dois choisir où tu vas aller. Toi, tu dois choisir où tu vas être. Les satanistes sont là. Tu peux même avoir des amis qui sont carrément des satanistes. Ils sont auprès de toi. Et ces amis-là, eux, ils peuvent juste te donner de mauvais conseils. C'est-à-dire que quand tu as des amis qui sont des satanistes, ce qui se passe, c'est que le diable va maintenant passer par eux. Il va facilement passer par eux comme ça. Pour juste te donner de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Afin de te pousser vers un autre chemin. Tu vas même voir, même à l'école, tu es dans un endroit où même tu travailles. Tous tes collègues là, ils prospèrent, ils réussissent. Mais toi, tu as l'impression que tu es toujours au même niveau. Et tu es là, tu les envies comme ça. Quand ils viennent avec la voiture, tu te dis, ah, pourquoi je n'ai pas de voiture? Ah, pourquoi ma camarade a une voiture? Pourquoi moi, je suis comme ceci? Et à un moment donné, là, même tu te poses même tant de questions comme ça. Nous allons te dire. Ne te laisse pas séduire par les choses que tu vois avec tes yeux. Si tu ne sais pas d'où ça vient, reste tranquille. Il y aura toujours des signes qui vont te montrer que le diable est là. Tu vas voir qu'un gars, il est riche. Il a de l'argent, il a tout. Mais lui, il n'aide pas sa famille. Il ne doit pas son argent à sa maman. Ou bien il ne doit pas, il ne fait pas un truc. Ou bien lui, il ne doit pas la nuit. Quand les gens signent pas avec le diable, il y a des conditions. Maintenant, toi, quand tu vas le voir là, tu vas juste voir des signes. Tu vas voir que le gars, il ne dort pas la nuit. Ce sont des signes qui vont t'amener à comprendre réellement quel est son état d'âme. Mais si tu veux lui demander, mais mon ami, est-ce que tu es un sorcier? Il va clairement vous dire qu'il n'est pas un sorcier. Il va même jurer même sur la tombe de son mari, de ses aïeux, que lui, il est 100% pur. Mais dans ces signes, dans les signes que vous voyez là, vous voyez le contraire. C'est-à-dire ce que sa bouche dit là. Si ce n'est pas ce que ses actions là sont en train de faire.
poser. Ce n'est pas ce que vous voyez de ces actions. Mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, c'est que nous devons tous faire attention ici. Est-ce que vous comprenez? Là, vous allez comprendre. C'est là l'intérêt de tous ces signes que nous venons de vous montrer ici. Ne tombez plus dans le piège du diable. Parce que quand le diable positionne un de ses agents au point de vous, c'est pour vous enfoncer. Nous, on veut vous relever aujourd'hui. Et ça commence par ici. C'est que la partie 3, d'autres parties vont venir. Si vous avez aimé, cliquez tout sur j'aime, partagez la vidéo, informez vos gars, informez vos amis, vos parents. Ça va les aider aussi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Hey, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Abonnez-vous sur les trois autres chaînes. Nyans TV, Nyans Rebond 2 et Nyans Rebond 3. Prenez soin de vous.